très très difficile. 7h15. On ne va pas râler en se réveillant. Mon reproche, tu ouais, regarde. Mais non, mais je te dis, je t'explique, regarde, je te mets des situations. Complément pour la rétention d'eau et complément pour le petit déstockage des émulsions. Petite galette, donc farine d'avoine, lait, un œuf en blanc d'œuf et donc, les amandes, hein, je précise. Et puis c'est tout, hein, avec juste des bananes. Et en fait, la petite poudre blanche là, c'est du Boléro noix de coco. Et voilà, donc je vais aller m'installer dans ma chambre pour manger ça. Galette, même ingrédient que la dernière fois, mais voilà, là je préfère faire une galette. Mes bananes sont à l'intérieur, mon chocolat noir est posé et va fondre dessus. Et voilà, c'est café et thé en même temps, le matin maintenant. On se prépare à partir. C'est parti, coucou les amis, on vous avait pas dit bonjour, on vous avait pas dit bonjour vu que on s'est réveillé la tête dans les fesses. Voilà, c'est parti pour une journée avec nous. Donc là il est voilà 8h50 du matin, on s'en va à un rendez-vous. Maintenant on a des journées avec des préparations pour notre compétition. Donc voilà, encore une fois, ça nous permet de vous montrer ce qu'il en est. Et donc là ce matin on a vraiment une grosse journée, rendez-vous. Beauté, voilà. Pour se préparer. Voilà, beauté. Est-ce qu'on peut faire un petit mini-intro, juste vous êtes dans notre quatrième épisode de... On se retrouve dans notre quatrième épisode World 2 Bikini with Twins 4. On est arrivé à notre premier lieu de rendez-vous. À notre premier lieu de rendez-vous, on va vous montrer où on va. Et voilà, Calvin and Lay, c'est là où tout se passe. Et c'est là surtout on va se faire masser pour notre soin donc de chaque semaine. Coucou Stéphanie, donc ça c'est Stéphanie, la gérante du salon, voilà. Elle s'occupe des ongles, elle s'occupe donc des massages pour le corps. Soins, soins du visage, voilà, partie esthétique. Voilà, exactement. Donc après il y a aussi Dylan qui s'occupe de la coiffure. Je vais vous montrer un petit peu, je vais faire le tour du salon. De massage, donc Stéphanie, explique-nous un petit peu ce que tu vas faire pour s'occuper de notre pas du corps. Donc là en fait je fais plusieurs manœuvres différentes de palper roulé, de pétrissage, de manœuvres de drainage, voilà, pour relancer le drainage, pour éliminer un petit peu l'effet cellulite. Donc voilà, pour bien préparer la compète. Exactement, donc bien évidemment nous sommes sujettes comme beaucoup de femmes à la cellulite, hein, notamment parce qu'aussi on a fait une prise de masse, tout ça, donc on en a beaucoup moins parce que ben on perd du poids, on a beaucoup séché quand même, mais on en a quand même un petit peu encore, donc Stéphanie elle est là pour terminer un peu le taf, donc en plus de notre bonne nutrition, de notre sport, faut quand même un petit peu voilà prendre soin de notre peau en passant par des massages. Hein. Une sur deux faites, là maintenant c'est Clara qui est en train de se faire masser et on va faire ça les amis deux fois, une à deux fois par semaine, parce que dans le cas de Clara ça sera deux fois par semaine alors que moi ça varie entre une à deux fois jusqu'à notre compétition. On va faire ça toutes les semaines. On a réussi à caler ce rendez-vous là avant le rendez-vous qu'on a là juste après, qui pareil va avoir un effet hyper bénéfique sur nos cuisses et sur la rétention d'eau, la cellulite, tout ça.
Et voilà les amis, on est sortis, donc ça dure à peu près 30 minutes chacune. Ouais. Donc ça y va, hein, voilà, on a un petit peu, on est un petit peu rouge juste après. Ouais. Ça peut arriver qu'on ait même des petits bleus, mais voilà, c'est pour la bonne cause. Donc vous aussi les filles, si vous avez de la cellulite qui perdure, qui s'accroche un petit peu, et qu'en même temps, malgré le sport, une bonne alimentation, tout ça, vous avez envie de la terminer comme il faut, et ben voilà, c'est une bonne petite solution pour vraiment éliminer et faire les derniers petits, le dernier petit travail qu'il y a à faire. Avant l'été notamment, voilà, des petites cures de 6 semaines en fonction de votre budget et de votre cellulite, 6 semaines à 12 semaines, quelque chose comme ça, c'est génial. Le lien est en description si vous souhaitez prendre rendez-vous chez Calvin and Lane. Later, a few inches later. Pour cette matinée de mise en beauté, Cryo Concept à Mérignac. Et qui c'est qui est là aussi? Qui prend ses rendez-vous aussi? C'est moi. C'est CJ Fit. Comment va-t-elle? Un cours avec voilà, elle. La cabine de la mort. Moins 150 degrés pendant 3 minutes. Donc ça, on le place vraiment directement après les massages. Donc pour avoir vraiment encore plus d'effet sur la cellulite, sur la tonification de notre corps. Donc voilà, c'est parti pour le 3 minutes. Donc on m'a pris rendez-vous pareil jusqu'à notre compétition. On m'a pris deux rendez-vous, enfin un rendez-vous. Nous avons pris du coup jusqu'à notre compète un rendez-vous par semaine de cryothérapie. Et on les a placés du coup juste après notre séance de massage. Voilà. Et les trois dernières semaines avant notre compète, on aura de la radiofréquence en plus de la cryothérapie. Ça va Louis? Donc c'est supportable. Heureusement, c'est que 3 minutes. On a des gants, des chaussons. Et c'est top pour la récupération. Je sais, t'as attendu depuis gagner longtemps et mon passe avant toi, je suis vraiment gagnée de foutre. Non, mais c'est pas grave. Ah, mais déjà, je peux que j'ai la poussée. Non, je peux pas. En fait, j'ai posté une photo avec Rico et là, il y a plein de meufs qui m'ont envoyé. Ah, mais oui, j'ai vu ta photo avec Rico. Ouais, ils m'ont envoyé, c'est qui? Alors, ça me fait trop rire, tout le monde veut savoir. C'était où, c'était quand? C'était la semaine dernière sur Bordeaux. Tout le monde me demande c'est qui et tout. Ah ben là, on essaye une vidéo par semaine. Encore une fois, on va vous mettre les liens en barre d'infos pour avoir tous les renseignements et également le site où vous pouvez prendre vos réservations, donc sur Cryo Concept, également Calvin and Lane, donc tout ça vous avez en barre d'infos. Bibi, ça va? Donc là les amis, je suis rentrée, je suis toute seule parce que donc Laurie est partie à un petit rendez-vous, donc je vais commencer à préparer à manger. De toute manière, on mange la même chose tout le temps, je sais aussi très bien les quantités de Laurie, donc je vais m'attaquer à tout ça. Bon, mais ça va être quand même assez rapide et efficace, hein. C'est ça l'avantage de manger tout le temps la même chose, c'est qu'on a quand même pas mal de choses d'avance, donc il y en a quand même jamais assez, hein. Donc on fait quand même une petite courgette de plus, des oignons bien évidemment parce que ça c'est vraiment le truc qui nous sauve notre diète avec Laurie. Je viens de rentrer de mon entretien et franchement je suis hyper contente parce que j'ai la dalle et Clara m'a préparé à manger. Voilà, donc trop content, ça c'est l'avantage d'être de... Merci beaucoup. Et c'est toujours pareil hein, ce qu'on mange, hein. Là les amis, c'est poulet, haricots verts, j'ai un reste d'haricots verts et de courgettes et du riz avec des lentilles que je vais mélanger avec des lentilles. Voilà. Et on va se mettre devant l'ordinateur. Bon appétit. 5 hours later. C'est parti à la salle les amis, on va faire une grosse séance jambes avec là, on a quelques exos en commun donc ça va être super pour vous filmer ça. Et ensuite le programme c'est qu'on fasse un big training posing donc direct après. Ouais, on va charbonner de malade, on va vraiment charbonner. On va se péter les pieds. C'est parti, on se dirige vers où là? Le hack squat et la presse verticale. Wow.
my name, I'm only cut the trigger to pick up a bitch and go digging for riches. I'm going for gold, certainly. All of my brothers are fathers, our mothers were fathers with dozens of partners that struggled to finance some gold, worthy. Still we gon' spend like it never depends, so I hop in the Benz. I don't wanna resent what I see in my lens. Swervy, 2020. Keep it 100, that's 10 out of 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 10. 10, 10 up on the scales, you should call me 36. Made money from the yay, like my nigga Bernard did. Had to tell Bernadette, stop trying to burn a bridge. I'm just trying to miss the burns, you're just trying to burn a spliff. Let it burn, burn a boy, burn a bitch. All my niggas unemployed, but know how to work the risk. All your niggas know my worth, but it isn't worth the risk. You don't wanna wait your turn, but there's no alternative. My nigga, my liver, my liquor, the trigger to pick up a bitch and go digging for riches. I'm going for gold, certainly. All of my brothers are fathers, our mothers were fathers with dozens of partners that struggled to finance some gold. Still we gon' spend like it never depends, so I hop in the Benz. I don't wanna resent what I see in my lens. Swervy, 2020. Keep it 100, that's 10 out of 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 10. Live in a struggle, I don't live in a bubble. Put my daughter to bed, give her a cuddle. Look at the government having us up and they're giving us trouble. All as the governor talking about bangers, I give in a couple. I tell my enemies, fuck it, I don't wanna hear it again. My bridge, my brother, my right and my left and my code, my friend. Et voilà, la séance est terminée. On va enchaîner avec du posing maintenant. Oh, it's your boy JC. Yeah. Oh, yeah. Girl, we got a good thing. I can't explain it. Even when we fighting, I can't complain. Cause you got something special, babe. And I know that I can't replace you. Yeah. And I ain't got my feelings, I'm just real. I'll admit I do it for the thrill sometimes. I be trying to kill some. Time, but you we don't have to be bougie. I could eat you up all day. Cause you're the only thing I want on my plate, baby. We can Netflix and chill. I just wanna feel what I feel when I'm only with you. I'll be in the mood, baby. Whenever I'm with you, baby. You be giving me the feel good. Be on the ground going crazy. I better see the look on their faces. Et coucou les amis, nous revoilà à la maison. Donc après l'entraînement et la petite séance d'entraînement aussi de posing. Donc on est bien rentré. Moi je suis allée à la douche. Laurie a commencé à préparer le repas pour ce soir. Et bien entendu, et ben voilà hein. Les talons sont toujours là, donc même après l'entraînement, ben, au moins quand on fait la cuisine, on les porte pour pouvoir les faire, pour pouvoir marcher un peu avec. On a une longue cuisine, on peut faire des petits allers-venus comme si on défilait. Voilà, donc du coup, on s'entraîne avec toujours. Non, mais toi, tu manges du poulet, moi je mange du poisson, j'ai envie de changer un peu là. Voilà, donc c'est quoi du colin, du caviar. On est toujours posé à notre cause, hein. Moins 10% avec Twins Beef, hein. Les oignons sont toujours là, vous connaissez la chanson, nous ça c'est notre botte secrète pour pouvoir réussir notre prépa. Dans le Moulinex, des brocolis. Donc voilà, petit dîner au calme. Alors moi je n'ai pas de féculents le soir maintenant, c'est ça qui a un petit peu changé dans ma diète. Mais Laurie en a toujours, et Laurie tu vas te faire du riz des lentilles. Moi je vais me faire des lentilles. Des lentilles, alors que moi je vais manger ce midi. Voilà. Bibi. Bon les gars, dernier repas pour moi. Ça va être ma collation. Voilà, donc quand je peux, ben, je la prends plutôt dans la journée. Mais c'est vrai que je préfère la manger avant de dormir, parce que vraiment j'ai le ventre bien plein. J'ai pris mon dernier repas et c'est comme ça que moi personnellement je dors mieux. Laurie la mange plutôt l'après-midi et moi je vais la manger, me la garder si possible pour le soir avant d'aller me coucher.
natation, du ski, tout n'a des dessins. Donc, du ski avec de la banane et moi je n'ai plus droit aux amandes. Ce que j'ai mis dedans et également ce qu'on met dans notre thé avec Laurie, c'est du sucralose de chez Bulk Powder. Donc on en met un petit peu, c'était un édulcorant. Voilà, voilà. Et j'ai mis un petit peu de boléro vanille également dedans. C'est hyper bon. Donc soit celui amande, soit celui vanille dans le skir, c'est super bon. Mon petit thé. Et comme il n'y en a jamais assez du thé, je me mets mon petit thermo dans ma chambre. Et voilà les amis, on est posé, on a mangé. Là, on s'est retrouvés dans ma chambre pour peaufiner une petite vidéo qui normalement pour vous, elle est déjà sortie. Cette journée a été vraiment très productive. Donc on va se coucher tôt. Et c'est le bon moment voilà, pour clôturer cette vidéo. On espère que vous avez pu en apprendre plus sur notre diète. Comment est-ce qu'on a mené un plan d'attaque pour pouvoir être prête sur scène le jour J. Et également, donc voilà, notre stratégie également pour... je vais reprendre. Mais également, tout ce qu'on fait pour bien s'entraîner pour le posing. À très vite maintenant pour une prochaine vidéo, les amis. Bye bye!